Yo les gars, c'est Ancien, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur encore Atelier WrestleRiana. J'aime bien ce jeu, honnêtement, je trouve la vibe super cool. Et donc aujourd'hui, on est là pour la nouvelle bannière qui vient de sortir. Et donc c'est avec Valeria et Claudia, les deux nouveaux persos. Je sais pas du tout s'ils sont forts ou pas, mais ils sont super sympas. Surtout Valeria, je l'aime bien. Mais je sais pas s'il est déjà dans le jeu. En fait, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Peut-être qu'elle est déjà dans le jeu en SR, j'en sais rien. En tout cas, on va commencer déjà par des invos gratuites. Pourquoi pas? Hop. D'ailleurs, si vous voulez des invos moitié prix, les gars, vous allez dans la boutique. Vous allez dans la boutique et vous avez pour 1500. Ah oui, bah c'est elle, Valéria, je crois. Pour 1500, vous avez 10 invocations. Donc c'est au lieu de 3000 en gros. Et puis d'ailleurs, ils ont donné 3000, 3000 gemmes gratos pour le nouvel an chinois, je sais pas quoi. Donc ça fait plutôt plaisir. Ok, on a Tess, une étoile. Elle est très stylée, mais bon, une étoile, on s'en fout un peu. C'est gratuit, on prend. Et du coup, là, les gars, on a pas mal d'invocations grâce à eux. Je crois que j'ai aussi une gratuite ici. Parfait. Donc celle-là, les gars, j'ai déjà fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir, elle était vraiment bien. Je sais que vous avez bien aimé l'épisode 1, mais l'épisode 2, vous l'avez même pas regardé. Alors qu'il est très bien aussi. Donc là, c'est l'épisode 3, la troisième bannière. Bon, je skip, les gars. Ok, une mémoire R, je crois que je l'avais pas. Effectivement, je l'avais pas. Plutôt stylé, j'aime bien. Ok, bah du coup, les gars, c'est parti. On va directement aller sur la partie 3. C'est même pas vraiment partie 3 en vrai. C'est juste New Valeria Chapter avec Legend Fest. Donc voilà. C'est parti en tout cas. Let's go. On espère avoir un nécessaire, les gars. Ça serait incroyable. Ok, alors la comète elle a pas trop bougé. Donc là on va pas skip bien sûr les gars. Évidemment. Attention. Ok, pour l'instant il y a. Ah si, il y a un personnage. Deux personnages, trois personnages. Tout le monde court partout. Ils se font un câlin. Ils la rattrapent. Il y a eu un petit bruit SSR. Il y a une meuf derrière. Ils sautent tous ensemble. OMG. Là les gars on a 100% un nécessaire. 100%. Limite deux même. Regarde, ils sont éblouis. OMG. Et l'étoile qui explose. Voilà, on a un nécessaire minimum, les gars. C'est sûr, vous avez vu toutes les animations de fou? Quand vous n'avez pas d'animation, pas de perso, et que genre les deux meufs elles courent toutes seules, c'est-à-dire vous avez rien. Mais là, il y a eu tellement d'animations, c'est une dinguerie. On a quoi? On a Memoria, bon, pas ouf. Marion, je connais par cœur, frérot, je l'ai tout le temps. Oh! C'est pas ce que je voulais, mais. SR, looking up at the skies. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime pas, c'est les jeux qui mettent le SR en jaune et le SSR en violet. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais moi, je préfère l'inverse. SR violet, SSR jaune. Mais bref, c'est un débat pour un autre jour. Deuxième SR, ok. Dans un style assez vieux, tu vois. Ça, c'est les animés des années 90, les gars. Mais c'est sympa. Ok. Oh, encore un SSR. 3 SSR back to back. SR, pardon, pardon, SR. Totori. Je sais même pas si je l'ai. Oh, SSR, SSR, SSR. Ok, je sais pas qui c'est. Valeria ou Claudia? Ou alors même un autre, un perma. Attends. Oh, Valeria, let's go. Nice. Oh, je pense qu'elle est super forte. Oh, c'est sûr, elle est cheatée de fou, mec. Oh, elle est trop stylée. Bah ouais, c'est sûr, elle est cheatée. Regarde, c'est une épéiste déjà. Mec, elle doit être trop forte. Elle doit être trop trop forte. Elle est trop stylée en plus, avec sa petite corne cassée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un animé atelier? Faudrait que je regarde parce que j'aime beaucoup trop les chara-design. Donc, je pense qu'il faudrait que je regarde. Secrète Amnesia. Ok. Encore? Wesh. Encore un SR. C'est quoi cette multi de fou? Ok. R. R. Et c'est fini. Dernier perso, Cordelia. Oh les gars, la multi. C'est quoi cette multi de fou? C'est quoi cette multi de fou? Bon bah je suis trop content. Je suis trop content. Parfait, parfait. On a une deuxième multi les gars. On a une deuxième multi. Peut-être qu'on va avoir Claudia. Pourquoi pas? C'est parti. Ok. Pour l'instant, à peu près pareil, il se regarde. Il court, attention. Est-ce qu'il y a des gens qui vont les rejoindre? Eh non. Ok, donc là, vous voyez, quand elles courent toutes les deux, ça veut dire qu'il n'y a rien.
Et là, s'ils se font juste un petit câlin, ça veut dire qu'il n'y a rien non plus. Et s'ils sautent dans le vide et qu'il n'y a personne qui vole avec eux. Il y a eu un tonneau même. Tellement c'est nul, il y a eu un tonneau, les gars. Bon, là, on n'a rien. Mais c'est pas grave. On a eu une multi de fous furieux. 4 SR, 1 SSR. On peut pas avoir que des bangers. Après, pourquoi pas des persos que j'ai pas? Linka, ok, le youtubeur. Tess, très 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 stylé, Tess. J'aime bien. D'ailleurs, si quelqu'un sait, Memoria, Melody. Oh! Infinite Horizon. Si quelqu'un sait comment augmenter la qualité des persos. Oh, cette carte, les gars, à chaque fois que je l'ai, elle est trop stylée. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Oh, Minika SR, pas mal. Du coup, vous voyez les personnages là? En vidéo, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ils sont un peu pixelisés et flous comparés aux cartes. Donc c'est un peu bizarre. Si quelqu'un sait dans les paramètres comment je peux régler ça. On a Marion. On a Cordelia. J'ai failli dire Tess, mais c'est pas Tess. Oh! Ruven SR. Lui, les gars, avouez, il ressemble trop à Naruto. Non, c'est une dinguerie. Oh! C'est une nouvelle SR. Oh, j'en étais sûr. J'ai vu l'animation, elle était longue. Ok. Escha. Je crois que je l'ai pas. Elle est très stylée. Mec, on a encore une multi de fou. On a eu 4 SR. Comment c'est possible? Mec, soit j'ai de la chance de fou, soit je comprends pas. Ok, incroyable, incroyable. D'ailleurs, j'ai jamais eu de Memoria SSR. Tant mieux en vrai, tant mieux. Là, on a la boutique. Ok. Mais il n'y a pas de bonus, j'ai l'impression. On a récupéré des petites missions. Hop. D'ailleurs, faites pas attention à mon énergie max, etc. C'est parce que je fais mes quêtes à moitié. Je suis un peu un gogol, vous le savez peut-être. Hop. Vous voyez, à chaque fois, regarde, il y a une free daily. Hop. Et puis, ça gagne de l'énergie. Et puis, quand vous allez dans Order aussi, hop, vous avez deux petites tartes gratos qui vous donnent de l'énergie. Vous pouvez skip, évidemment. Hop. Vous savez quoi, je vais même vous laisser l'animation. Et puis après, on va s'arrêter là, les gars. Vous voyez comment le jeu est trop stylé, les gars? Les graphismes et tout. Mec, c'est incroyable. Ok. Et ben voilà, je me suis remis bien en énergie, moi. Et puis, vous avez aussi les training quests. Vous pouvez faire 3 par jour. Surtout celle-là. Hop. Celle-là, c'est la plus importante. C'est pour avoir des items de personnages. D'ailleurs, voilà ma team, les gars. Hop. Je mets en auto à chaque fois. Comme ça me les trie. Donc voilà ma team, c'est des bons persos je trouve. Il y a juste elle qui est pas SSR je crois. Et peut-être une autre, je m'en rappelle plus. Et donc après, vous faites vos 3 trucs. Bam, tu skip. Boum. Et puis regardez, vous allez gagner. Hop, plein de pièces pour améliorer vos personnages. Et ça c'est un petit peu les constellations. Donc c'est très cool qu'il y en ait gratuitement. Bref, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez un petit commentaire pour référencement. Et puis voilà, ciao!